S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame, je voudrais vous parler. S'il vous plaît, madame, vous aussi. Approchez-vous, s'il vous plaît, je vais vous examiner. D'accord. C'est bon, vous allez bien. Où suis-je? Dans l'hôpital de Moissac. Ça fait combien de temps? 20 ans. Quoi? Tant que ça? Mais dans quelle année? 2039. Putain, mais je suis vieille! Non, vous avez gardé votre apparence grâce à notre nouvelle technologie. Ah, ouf! Mais en fait, j'ai croisé des gens qui refusaient de me parler. Pourquoi? C'est normal, ils n'ont pas le droit. Comment ça? Il y a quelques temps, nous sommes rendus compte que la parole était devenue trop précieuse. Nous avons donc mis en place un examen pour contrôler les expressions conformes à notre nouvelle société apparatutique. C'est quoi apparatutique? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Vous pouvez sortir et faites attention à ce que vous dites. D'accord. Je m'appelle Kayalo, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Comment se fait-il que vous pouvez parler en public? Vous êtes une humaine pourtant. Mais ça fait 20 ans que je suis en état commun. Je vois, vous ne savez rien. Ça a commencé petit à petit. Les robots nous ont remplacés dans la vie quotidienne. Comment ça, les robots? Oui, nous avons essayé de les améliorer, simplement. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Comment se fait-il? Ils nous ont pris notre liberté d'expression. Plus personne ne peut parler. On a arrêté d'étudier, d'apprendre, de réfléchir. Mais pas eux. Certains ont essayé de se rebeller, mais ils sont morts. Par qui? Eux.